Alors l'œuvre ressort sous une version tout manuscrite, à fait originale, manuscrite. Vous n'allez pas gueuler sur cet objet, Michel Gondry, parce que c'est un objet absolument magnifique. Non, mais ça va, je ne fais pas que gueuler. Vous le connaissez, cet objet? Est-ce que vous connaissez cet objet? C'est le manuscrit original de L'écume des jours qui est publié pour la première fois aux éditions des Saint-Pères en 1000 exemplaires numérotés à la main. C'est très cher, 119 euros, mais en même temps, ce livre, c'est vraiment une merveille. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on voit en fait que Vian l'a écrit presque d'un jet en 1946 au verso de feuilles volantes de l'AFNOR où il travaillait comme ingénieur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a très peu de ratures. Donc, on voit vraiment qu'il l'a écrit extrêmement vite. On voit la rigueur de son travail en fait derrière l'écriture très jazz. Il y a quelquefois, il y a des petits gris. Il y a des petites têtes rondes. Et là, vous voyez comme ça, là, miam. C'est assez intéressant, c'est très beau, c'est très émouvant aussi. Le petit plus de cette édition, c'est les notes préparatoires qui sont publiées pour la première fois, notes préparatoires au roman. Et on y voit vraiment la tristesse et la mélancolie du livre que vous avez très bien su faire ressortir dans votre film, Michel Gondry. Il y a une phrase que j'ai retenue qui est très forte. Ce n'est pas facile de trouver sa voie, sauf quand on est mort, mais on ne meurt jamais le premier. Et quelque part, tout le film, tout le livre, il est contenu aussi dans cette phrase, je pense. L'écume des jours, le manuscrit publié pour la première fois en 1000 exemplaires numérotés, c'est la voix de Boris Vian qui est ressuscité. C'est vraiment un très beau cadeau à faire. Allez, aux éditions des Saint-Pères, c'est ça. Vous connaissiez cet ouvrage? On me l'a offert hier soir. Ah, très bien. Bah, mais...